prima la signora Colleen Ruiz d'Arras, che ci parlerà delle scritture usate per l'iberico, di cui era una ottima specialista, ho solo visto alcune delle sue pubblicazioni e dal curriculum notevole, una giovane studiosa, devo dire, molto molto esperta dell'argomento, e poi la nostra Alessia Ventriglia, che aveva già fatto la parte relativa all'osco delle scritture italiche, oggi lo farà relativamente alle scritture usate per l'umbro. Non rubo ulteriore tempo e sono molto contento che lei sia qui. Prego, più santo. Buongiorno. Vorrei prima di tutto ringraziare gli organizzatori di questo seminario e soprattutto il professore Ampollo e la professora Anna Santoni, che hanno fatto l'onore di chiedermi di partecipare al progetto NAMON. Mi dispiace, ma non posso fare questa presentazione in italiano perché fare troppi errori. Mi dispiace, però parlerò quindi francese, ma lentamente. Voilà. Je me présente un peu. Je suis française, je m'appelle Colleen Ruiz, donc, et j'ai fait des études de philologie classique à l'Université de Toulouse. J'ai fait une maîtrise sur le linéaire B, et comme je suis d'origine espagnole, j'ai cherché à me tourner vers l'Espagne pour voir quelles étaient les écritures et les langues qui pouvaient se parler à la proto-histoire et au cours de l'Antiquité. J'ai réalisé un DEA qui traitait de l'épigraphie ibérique du pays valencien en Espagne et qui visait à mettre à l'épreuve l'hypothèse de la langue ibère comme langue véhiculaire, hypothèse expliqué par Javier Deos, qui est le spécialiste de l'Iber. Mon travail de thèse, qui a été soutenu à l'École pratique des hautes études en juillet 2011, était dirigé par Pierre-Yves Lambert, qui est le spécialiste en France du gaulois et des langues celtiques, et qui, par conséquent, travaillait également sur le celtibère. Mon travail de thèse traitait de trois sites ibériques, le site d'Ancérune en France, à côté de Narbonne, le site d'Ullastret en Catalogne, à côté de Gérone, et le site d'Assaïla, à côté de Saragosse, dans la vallée de l'Ebre. Ces trois sites, je les ai étudiés de façon comparée pour pouvoir vérifier les contacts graphiques, onomastiques entre les Celtes et les Ibères. C'est suite à ce travail que le professeur Ampollo m'a contacté pour la présentation des études des écritures paléo-hispaniques dans le cadre du projet MNAMON. Je voudrais, dans l'exposé d'aujourd'hui, vous présenter quelques aspects et quelques problématiques qui se sont posées à moi lors de la préparation du site internet. Je voudrais juste dire que la préparation de ce travail a été un grand plaisir pour moi, parce que après la thèse, quand on est vraiment, omnubilé par son travail de thèse, revenir aux travaux initiaux, faire une présentation générale, ça permet de se rappeler que, en fait, c'est bien ce sur quoi on travaille. Et ça fait plaisir, effectivement, de revenir à des présentations, à la fois générales et pour les présenter de façon claire et, j'espère, instructive. Voilà. Je voudrais donc, dans un premier temps, vous faire une présentation de la péninsule ibérique dans le cadre du bassin méditerranéen antique, parce que la péninsule ibérique est souvent laissée de côté dans les études anciennes et qu'on ne connaît pas forcément tout de la culture ibère. La péninsule ibérique est un confin du monde méditerranéen. Elle a été parfois laissée de côté par rapport aux autres péninsules, la péninsule italique, la péninsule grecque. Et entre mythes et fantasmes, entre imaginaire et réalité, elle a donné lieu à un certain nombre de travaux. Celui qui travaille sur la péninsule ibérique doit accepter toutefois les confusions, les imprécisions,
car la péninsule ibérique est une zone de rencontre extrêmement riche entre les Phéniciens, les Grecs, les populations celtiques, les populations autochtones. Et elle présente une identité très originale, avec des artefacts archéologiques et artistiques souvent méconnus. Je voudrais donc vous présenter très rapidement, hein, c'est juste une introduction, quelques éléments donc de cette culture ibère qui est extrêmement riche. Vous voyez en haut à gauche, les sculptures des Tordulos, la population d'Andalousie, avec ces sculptures assez spectaculaires du site de Porcuna, dans la province de Jaén. En bas à droite, le tombeau de la Dama de Baza, qui est en fait un ensemble funéraire présenté au Musée archéologique de Madrid, avec tout son appareil funéraire autour d'elle, qui est très grande, elle mesure quasiment 1,60 m. La célèbre Dama de Ibiza, qui est une petite terracotta qui fait une trentaine de centimètres, qui a été retrouvée dans des nécropoles à Ibiza, parce que Ibiza a été colonisée également par les Ibères et par les Phéniciens. Ce type de terracotta se retrouve donc dans une nécropole du IIIe siècle. Je voudrais juste vous faire remarquer la coiffure extrêmement complexe de cette déesse qui est vraisemblablement une représentation de Astarté ou de Tanit, selon qu'on est à Carthage ou à Phénicie. Donc la coiffure extrêmement complexe de cette dame qui est à rapprocher également de la très célèbre Dama de Elche, qui est devenue quasiment le symbole de la culture ibérique avec ces espèces de rouelles, on appelle ça des rouelles en français, je ne sais pas comment dire en italien, extrêmement spectaculaire, qui a été l'objet d'un conflit de longue date entre la France et l'Espagne, puisque en fait elle avait été trouvée en Espagne, puis finalement Pierre Paris l'a récupérée de façon un peu rapide. Elle est partie au Louvre, elle est après revenue en Espagne, au Prado, puis enfin au Musée archéologique de Madrid, où elle se trouve. Cette Dama de Elche qui est sublime, hein, qui a en plus des traces de polychromie, donc on ne voit pas très très bien là sur la photo, mais quand on est devant elle, effectivement, elle a encore des traces de peinture sur elle. Et le grand mystère donc, de la Dama de Elche, c'est surtout qu'elle a un trou dans le dos. Dans le dos. De même que la dame précédente, hein, pareil. Donc on suppose que c'était des trous pour mettre des cendres, des offrandes, on ne sait pas. Voilà. Donc cette dame sublime qui est effectivement devenue le symbole de l'art ibérique. La péninsule ibérique présente également des formes urbaines parfois assez spectaculaires. Je vous ai mis le site de El Villas de Arbeca, qui se trouve dans le nord de la péninsule ibérique, qui est donc, comme vous le voyez, un fortin extrêmement élaboré et qui remonte donc à une époque assez ancienne. Je vous ai mis en bas également le site de Botorita, qui est très connu pour ses bronzes, qui, lui, a été assez nettement influencé par les pratiques architecturales de la gréco-latine. Enfin, juste comme ça, les céramiques peintes ibériques, qui sont les joyaux donc, de la culture ibérique, qui sont extrêmement chargées, comme vous le voyez sur le Calatos de Asaïla, ici, qui sont très particuliers, donc de la céramique peinte avec une peinture un peu ocre et rouge, toujours très exubérant, avec beaucoup d'animaux, c'est assez spécifique. La péninsule ibérique, outre donc ces merveilles archéologiques et artistiques, présente à l'âge du fer une situation linguistique extraordinaire, avec une variété de langues et d'écritures très 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 diverses. Donc, d'une part, les langues qui arrivent à la péninsule ibérique, donc des langues sémitiques au sud, avec les Phéniciens et les Carthaginois, les Emporia grecs, la colonisation latine
et les échanges avec les Étrusques qui s'insèrent sur le littoral plutôt oriental de la Méditerranée. Et à l'intérieur des terres, un certain nombre donc d'écritures et de langues que je vais essayer de vous présenter rapidement. Grossièrement, la péninsule ibérique pourrait se résumer à une dualité indo-européen, non-indo-européen, que j'ai essayé grossièrement de représenter ici. Simplement, les frontières ne sont pas aussi schématiques, et c'est de la partie non-indo-européenne, c'est-à-dire en jaune ici, que je vais vous parler aujourd'hui, la partie indo-européenne concernant plutôt les langues celtiques, celtibères, lusitaniens, enfin, avec des soucis pour le lusitanien, mais serait éventuellement traité dans Mnamon par une autre personne. Donc voilà, je m'occupe aujourd'hui des Ibères. Les langues et les écritures paléo-hispaniques. Paléo-hispanique est un mot un peu compliqué pour dire ibérique, sachant qu'ibérique pose un problème puisque la péninsule ibérique englobe l'ensemble de toutes les écritures, donc, y compris donc, du coup, le celtibère, le lusitanien, les langues de Tartessos, etc. Donc en 1980, au cours du troisième colloque sur les langues et les cultures pré-romaines, les chercheurs sur ce domaine ont décidé de créer le terme paléo-hispanique qui est plus neutre que par exemple pré-romain, qui donc indiquerait une relation par rapport à la conquête romaine, ce qui est pas exactement le cas. Et donc le terme paléo-hispanique donc a été créé à cette occasion-là. La discipline toutefois a existé depuis très longtemps. Et les premiers écrits des collectionneurs de monnaies avec les inscriptions ibères remontent au XVIe siècle. Voilà. L'inventeur de la corrélation entre les signes ibères et l'alphabet latin est Don Manuel Gomez Moreno, qui est ici. Il est le dernier d'une longue tradition d'érudits, surtout espagnols, mais pas uniquement. Le premier érudit à avoir, en 1577, mentionné dans un ouvrage de numismatique une monnaie hispanique avec des lettres entre guillemets grecques, était un Italien qui s'appelait Fulvio Ursino. Et donc, plusieurs décennies comme ça de chercheurs ont tenté, avec plus ou moins de bonheur, d'identifier les différents signes donc, que vous voyez ici, en les comparant avec notamment les légendes monétaires bilingues latines. Donc, ce tableau rend hommage à la fois à l'érudit andalou et à tous les autres chercheurs un peu moins heureux. En 1922, l'article où Manuel Gomez Moreno propose les dernières étapes du déchiffrement de l'Ibère, notamment à partir de l'alphabet monétaire donc, et du plomb d'Alcoy, ne précise pas très exactement sa méthode de déchiffrement. Donc c'est un peu frustrant, parce qu'on voit progressivement tout son raisonnement et la dernière marche. Voilà, à un moment donné, il a compris. Bon, nous, pas trop, mais lui, il a compris. Donc, il n'explique pas jusqu'au bout sa démarche, mais son article est assez éclairant. C'est un peu le point de départ des paléo-hispaniques. Depuis, plusieurs signes sont encore matière à question. On n'est pas entièrement d'accord sur certains signes, sur certaines valeurs de signes, mais c'est unanimement le système de retranscription de Don Manuel Gomez Moreno qui est utilisé. Voilà, donc en fait, je vais essayer de vous présenter chacun de ces groupes graphiques, en commençant par l'écriture du sud-ouest, donc, qui est une écriture très particulière du sud du Portugal, écriture qui se trouve la plupart du temps sur ces stèles. Donc la stèle de Ben Safrim ici est assez grande, elle mesure à peu près 60 cm de haut, et elle a cette particularité d'être écrite de façon hélicoïdale, en spirale comme ça. Stèle extrêmement étonnante, qui était donc
fichée dans le sol. Vous voyez que la partie inférieure était dans la terre, et donc seule la partie écrite était visible. Cette écriture est assez curieuse. Le tableau des signes que je vous ai mis là ne les répertorie pas tous, parce qu'il y a énormément de signes uniques qui n'apparaissent donc qu'une fois et qui n'ont pas de correspondance et qui sont justement matière à réflexion sur leur valeur. Et je vous ai mis également la retranscription de la fameuse stèle, et vous voyez un trait caractéristique de cette langue qui pour l'instant n'est absolument pas déchiffrée et qui est dite redondante, c'est-à-dire que chaque signe est redoublé, chaque signe syllabique est redoublé de la voyelle, comme dans loco-o, bo-o. Ça n'existe que sur ce cursus, sur ces stèles-là. Il y a quelques années, en 2009, un spécialiste anglais, je crois, a essayé de lire ces inscriptions avec une langue celtique. Ça a fait énormément de controverses au sein des paléo-hispanistes parce que, effectivement, il se basait sur des formes genre Argantonios. Effectivement, ça pouvait s'expliquer avec d'autres racines que le celtibère. Pour l'instant, ces inscriptions ne sont pas déchiffrées. Et il y en a, on va dire, une trentaine qui sont tout aussi spectaculaires que celles-ci. Je passe rapidement à l'écriture méridionale, donc une écriture qui se trouve dans le sud de l'Andalousie, plutôt vers Grenade. J'ai un peu triché parce que le plomb que je vous propose se situe exactement ici. Donc en fait, elle s'étend beaucoup plus, j'ai pas fait la patate suffisamment grosse. Bref, ce plomb de la Bastida de las Alcuces, qui est un plomb, je vous l'ai mis ici, un plomb assez célèbre parce qu'il a été retrouvé roulé sous une meule. Et il présente une écriture donc, qui se lit de droite à gauche. Et vous voyez, avec un système de lignes de guidage de l'écriture. Ce plomb, en fait, est assez célèbre parce qu'il semble être une liste avec des chiffres et un document privé, puisqu'il se retrouvait sous une meule dans un contexte d'habitat. Et c'est un des longs plombs, les seuls longs plombs de l'écriture méridionale. Écriture méridionale qui, là aussi, je vous l'ai mis ici, les signes de l'écriture méridionale sont beaucoup plus nombreux, mais encore une fois, très variés et sans avoir véritablement de concordance. C'est le premier plomb qui a été étudié par Don Manuel Gómez Moreno et qui a été célébré au dernier colloque des paléo-hispaniques à Valence, là, en octobre dernier. Voilà. Je passe donc à une écriture extrêmement spécifique. Vous voyez, c'est le tout petit rond bleu qui est là-bas. L'écriture gréco-ibère. Donc, il y a une écriture assez particulière qui se lit donc de gauche à droite. C'est du grec, en fait. Hein, c'est une écriture grecque. Si vous arrivez à lire, vous pouvez plus ou moins lire, par exemple, la dernière ligne du plomb en haut. Vous pouvez lire Gabby Gate sans aucun problème, puisque c'est de l'ionien. Cette inscription est très importante parce que c'est celle qui a permis également d'avoir pour la première fois accès à la langue ibérique sans l'écueil des signes paléo-hispaniques. Donc là, pour la première fois, on arrivait à voir ce que ça pouvait, comment ça pouvait sonner. Sachant que cette écriture est utilisée extrêmement ponctuellement sur le site de Campelio, hein, qui se trouve donc par là. La plupart des inscriptions se retrouvant donc sur de la céramique du IVe siècle. Je passe à l'écriture levantine, qui est ici en jaune, qui est l'écriture la plus largement diffusée. Elle se lit de gauche à droite, et c'est à elle qu'on fait référence souvent quand on parle d'écriture ibérique, parce qu'elle est celle qui se retrouve à la fois depuis la région de Murcia, ici, là, hop là, ici,
jusqu'à la région donc, de Béziers, de Narbonne et même jusqu'à Toulouse et Vieille Toulouse. Cette écriture donc, se trouve sur un certain nombre de supports différents que je vous présenterai également par la suite, à la fois des pierres, à la fois, très peu, mais quelques-unes, à la fois des céramiques, c'est ce que vous avez mis sur la très jolie affiche, et à la fois sur des plombs, qui sont les plombs les plus connus de l'épigraphie paléo-hispanique. Et dernier type d'écriture, les écritures donc celtibères. J'ai mis des S parce qu'il y a deux variantes, une variante orientale et une variante occidentale. Ces écritures-là sont des emprunts à l'écriture levantine, hein, la partie jaune que je vous montrais tout à l'heure. Ces écritures-là se trouvent donc dans le nord de la Meseta et ont servi à noter une langue celtique, dite celtibère. Si certaines populations se sont emparées très tôt de l'outil graphique, donc depuis le sud jusqu'au nord de la péninsule ibérique, d'autres ne parviendront jamais à une expression épigraphique. C'est le cas, des populations qui se trouvent ici, les Vascons et tout le nord de la Galice est entièrement vide de toute forme d'écriture. Et on ne connaît pas véritablement de phase d'élaboration de l'écriture, c'est-à-dire qu'on a vraiment soudainement une présence écrite, mais on n'a pas de tâtonnement à une exception près. C'est ce que je vous ai montré, je suis désolée, la photo n'est pas très très nette, mais c'est la très célèbre pierre, enfin très célèbre pour nous, pierre d'Espanca, qui est en fait, comme vous le constatez, un exercice d'écriture où une première personne a écrit une suite, on va dire, d'un alphabet, mais ce n'est pas exactement un alphabet, parce que c'est un alphabet, et on va dire l'élève a de son côté écrit avec des erreurs, avec des interversions, etc. Donc ça, c'est un document exceptionnel qui se trouve au Portugal. On n'a pas les abécédaires étrusques, on n'a pas tout ça, mais on a cet exercice-là d'écriture qui semble montrer qu'en tout cas, à cet endroit-là, il y avait peut-être des écoles d'écriture, des lieux de transmission. C'est une lose, c'est une plaque en fait en grise, qui a été trouvée bien sûr sans contexte, ce serait trop facile. Bref, c'est le seul exemple. On a donc trois cas de figure. Dans la péninsule ibérique, une connaissance de l'écriture avec une langue non indo-européenne, sur laquelle je vais revenir, une connaissance de l'écriture avec une langue indo-européenne, et pas de connaissance de l'écriture, et un peuplement non indo-européen, c'est le cas des Basques. D'où viennent ces signes ? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le sud de la péninsule ibérique a été très tôt colonisé par les Phéniciens. Et le spécialiste de l'écriture ibérique, paléo-hispanique plutôt, Javier de Hoz, donc, a supposé, et à juste titre, une origine phénicienne de ces signes paléo-hispaniques. Vous avez ici un tableau récapitulatif qui vient de Ion, donc j'ai pris une revue italienne parce que voilà, et qui montre donc la concordance entre les différents signes. Vous voyez que cette concordance marche particulièrement bien, par exemple, pour le A, les formes B, K, etc. Ça marche plutôt bien, surtout pour les inscriptions du sud de la péninsule ibérique. Parce que si, par exemple, on prend le signe, par exemple, T, ici le numéro 9, il se trouve que le reste, dans les écritures les plus diffusées, le T, c'est celui-ci, celui qui est le dernier de la colonne. Et cette forme-là ne correspond pas du tout à T. Donc, il y a un certain nombre de signes pour lesquels ça fonctionne, d'autres de façon moins pertinente. Encore une fois, la variété et la variété des signes et leur notre méconnaissance en fait de leur signification est encore à l'heure actuelle patente. On ne peut pas, voilà, il faut toujours rester dans la possibilité que qu'on ne comprend pas ces signes. C'est un peu, bon. La comparaison donc avec ces signes avec les inscriptions phéniciennes, c'est en comparant donc les inscriptions phéniciennes et en prenant donc le plomb, le fameux plomb de Alcoy que je vous ai montré tout à l'heure,
qu'on a pu avoir accès, donc en recoupant les différentes inscriptions, avoir accès à la langue. L'origine des phéniciennes des signes paléo-hispaniques est l'origine à l'heure actuelle la plus acquise, mais il y a d'autres théories qui, au cours du XXe siècle, ont été développées. Par exemple, la théorie de Gomez Moreno, l'inventeur des signes, qui rapprochait l'écriture des tours des temps de l'écriture chypriote en liaison avec le commerce du cuivre. Il reprenait en ça une théorie de Chadwick, qui était lui-même sur les écritures égéennes. Donc, un autre érudit, Tovar, croyait à l'influence phénicienne et grecque des signes alphabétiques. Et un autre courant de recherche, aujourd'hui un peu laissé de côté, a pu voir dans les écritures dites libio-phéniciennes des origines de l'écriture paléo-hispanique. Cette hypothèse a été laissée de côté. Et pour les vrais libio-phéniciens, la partie réalisée pour Nanon par Lamen Swag est très complète et très très, très bien. Une fois donc ces inscriptions translittérées, donc signe à signe, syllabe à syllabe, on peut lire un texte, mais on ne peut pas le comprendre. Je vous laisse le plaisir de lire donc ce Plondouliastret tel qu'il a été translittéré. Bon, personnellement, c'est toujours pas clair. Mais bon, si quelqu'un a une idée, je suis preneuse. Ces inscriptions donc résistent encore énormément à la compréhension, d'autant plus que, comme le disait déjà Strabon, les Ibères n'utilisaient pas une seule écriture et en plus ils n'avaient pas une seule langue. Donc il est possible que sous ces textes-là, il y ait en plus différentes langues. C'est vrai, par exemple, en utilisant l'alphabet latin, on peut à la fois écrire du français, de l'islandais, plein de langues, du turc, qui entre elles n'ont strictement rien à voir, alors même que ce sont les mêmes écritures qui sont utilisées. Mais toutefois, on a de la chance, il y a quelques inscriptions bilingues en péninsule ibérique. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes. Il y en a très peu, en plus on les a perdues, ce qui n'arrange rien à l'affaire, mais bon. Dans le corpus que je vous présenterai tout à l'heure, on a répertorié deux inscriptions qui viennent de Tarragone, qui sont extrêmement célèbres, puisque ce sont des inscriptions funéraires, qui ont permis de proposer notamment une traduction de la formule funéraire Ixitus Est. Un autre fragment assez spectaculaire qui provient de Sagonte, avec donc une inscription bilingue, sachant que ces inscriptions bilingues posent un problème puisqu'on n'est pas sûr que la traduction soit identique, c'est-à-dire que à chaque mot corresponde son correspondant exact, par exemple en latin. Et notamment, je voudrais juste m'arrêter sur l'estampille, une plate lapidis de la Caridad de Camino Real, qui est en fait une estampille sur des mortiers et qui a été réétudiée par une collègue espagnole là, tout dernièrement, qui semble indiquer que les deux estampilles, à la fois en latin et en ibère, identifient la même personne. Donc je pourrais développer, si vous le souhaitez, un peu plus tard, l'équivalence entre les différents éléments, sachant qu'il y a plusieurs problèmes, notamment ici le fle, qui serait flacus, ou flavus, ou flavius, bon. Et ici en ibère, le bilaqué, ici, hein, il faut me croire, hein, bilaqué, qui serait l'équivalent ibère, sachant que la translittération ou l'adaptation de flacus à l'ibère serait balaco et pas bilaqué, donc ça pose un certain nombre de problèmes. Si ça intéresse certains, je renverrai à l'article de ma collègue qui est très très bien. Ces textes bilingues ont permis, avec plus ou moins de bonheur, de faire un certain nombre de parallèles, notamment pour des éléments très précis, la monnaie, les stèles, la ville, qui sont des éléments qui sont les mieux du lexique, qui sont les mieux connus
en Ibère. La plupart du temps, on rapproche également l'Ibère du basque. Évidemment, ce sont les deux langues non indo-européennes de la péninsule ibérique, le basque étant une langue extrêmement résiduelle et extrêmement particulière qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et donc, régulièrement, enfin, il y a en tout cas un courant de recherche qui s'appelle le vasco-ibérisme, qui cherche à mettre en relation les termes basques et les termes ibères, qui, il faut le reconnaître, sur certains points, sont assez séduisants dans la concordance entre les deux. Le seul souci de cette théorie, c'est que les dernières inscriptions ibères datent du 1er siècle après Jésus-Christ, et les premières inscriptions les premiers textes avec des gloses en euskera datent de 975, c'est le Codex Aemilianus ici, qui est un document qui propose un ensemble de 145 gloses et qui est donc le premier témoignage de cette langue. Et vous voyez, avec une lacune de quasiment 9 siècles, 8 siècles, 9 siècles entre les deux, il est assez difficile d'associer les deux langues, sachant en plus que l'équivalence entre les termes basques et les termes ibères se fait sur la base de vocabulaire, de lexique et jamais de syntaxe. Il n'y a pas de connexion extrêmement étroite entre les deux. Mais c'est vrai que plusieurs chercheurs, notamment Joaquín Gorrochategui, s'appliquent à établir ces concordances avec beaucoup de prudence, justement, puisqu'en plus, il y a des phénomènes identitaires de revendication entre les Basques et les Espagnols. Bon, ça, c'est encore plus compliqué. Bref. Comme toujours, quand on est face à une langue qui résiste, on a envie de traduire. C'est la même chose, j'imagine, pour l'étrusque. On veut toujours essayer de comprendre qu'est-ce qu'il est dit dans ces inscriptions. Et un certain nombre de chercheurs établissent des traductions, parfois un peu magiques, entre les inscriptions ibères et d'autres langues. Donc on a pu avoir une traduction de l'ibère comme une langue araméenne, par exemple. On a eu une traduction avec de l'étrusque. On a eu, au cas où, on a eu donc un certain nombre de traductions comme ça. Ici, je vous propose une traduction qui a été proposée par des gens sur le site de la UNED. La UNED, c'est la fac d'enseignement à distance en Espagne, c'est pas n'importe quoi. Donc, ces deux personnes proposent une traduction d'une stèle avec des racines grecques. Bon. Je n'ai pas à prendre parti, je ne pense pas, mais bon, il faut toujours rester ouvert, surtout dans le cas de langues extrêmement fragmentaires comme les libères, puisque il faut essayer toutes les hypothèses jusqu'à ce que cela fonctionne. Je vous la livre telle quelle, hein, je ne commente pas. Notre connaissance, donc je récapitule un peu, de libère à l'heure actuelle est descriptive. On a un système semi-syllabique. Voilà, babébibobou, kakekikoku, tatetitotou, qui ne permet pas de retranscrire tout ce qui est fleu, bleu, freu, etc. 5 voyelles, normal, des liquides, une forme de nasale que j'ai notée ici, M entre parenthèses, parce qu'en fait, on l'a retranscrit M, mais en fait, on ne sait pas véritablement si c'est un M. Pas de finale consonantique, on suppose. Aucune forme d'aspiration, ça c'est sûr. Et de formes de sifflantes qui s'inspirent notamment des signes San et Samek, phénicien. Voilà, ça c'est la phonétique. Oui. Il faut passer à la suivante. Hop, il faut revenir, voilà. Pour ce qui est de la syntaxe, on ne connaît quasiment rien. On suppose qu'il s'agit d'une langue type SOV, avec le verbe en finale, et on suppose également que c'est une langue type agglutinant, donc c'est pour ça qu'on a des parallèles avec le basque. Ce qu'on a réussi à établir, notamment avec un certain nombre de comparaisons, de marques de propriété, c'est qu'il y a un système de suffixation, où les suffixes
établis peuvent se combiner entre eux. Donc on a déterminé un suffixe d'appartenance, donc il y a un nom propre plus mi, c'est pour ça le m étant la fameuse nasale qu'on ne sait pas transcrire, un suffixe de provenance qui est sken ou n. Ce suffixe de provenance est très net sur les monnaies notamment, puisqu'on voit le nom de la ville plus sken, peut-être une variable de nombre, et peut-être un suffixe d'agent en t. Ces suffixes donc, se combinent les uns avec les autres, mais cet ordre fixe, r n mi par exemple, n'est pas très souvent complet, notamment par exemple pour le site d'Anserune sur lequel j'ai travaillé, sur les 260 inscriptions de propriété, il n'y en a que deux où il y a les trois suffixes ensemble. Donc cette suite de suffixes est possible, mais n'est pas très fréquente. Voilà. Pour ce qui est du système verbal, je vous ai montré tout à l'heure les deux inscriptions funéraires bilingues où on a pu établir vraisemblablement l'équivalence entre le segment Aretake et le segment Ixitusest, qui semble être la formule funéraire ibère. Le terme Ekiar, qui est un terme qui revient souvent sur des objets fabriqués, qui pourrait être un terme du type Fekit ou une sorte de marque de fabrique. Et également un autre terme qui se retrouve sur plusieurs objets et qui semblerait signifier donner, offrir. Encore une fois, ce système verbal sur lequel est revenu Javier Belasa dans un des derniers articles dans Paléo Hispanica, je vous en parlerai après, ce système verbal est extrêmement sujet à question, c'est extrêmement mince et encore une fois très hypothétique. Il faut donc rester ouvert à toutes les possibilités. Maintenant que je vous ai montré ces éléments d'écriture et de langue, sur quoi sont portées ces inscriptions ? Les inscriptions sont extrêmement variées. Il y a un certain nombre de monnaies, une centaine de frappes monétaires dans toute la péninsule ibérique, surtout à partir du IIIe siècle. Le dictionnaire des monnaies de Maria Paz García Bellido est excellent. Voilà. Il y a énormément, et c'est la majeure partie de l'épigraphie ibérique, paléo-hispanique, pardon, des graphites, notamment des graphites de propriété, plus ou moins complets, plus ou moins, élaborés. Vous avez un ici qui vient de la région de Sorba, qui est dans la Catalogne intérieure. Beaucoup d'inscriptions peintes, comme ici, c'est le bord du Calatos qu'il y a sur l'affiche, qui est ces inscriptions qui sont peintes à l'encre, à la peinture rouge, qui sont des inscriptions extrêmement spécifiques au site de San Miguel de Liria, qui sont vraisemblablement des offrandes votives. Des estampilles, ici une estampille de Asaïla, donc un des sites que j'ai étudié dans ma thèse, qui est portée sur une amphore, et qui montre une conception un peu plus élaborée déjà de l'écriture avec une préparation de l'estampille à l'envers, donc quelque chose déjà beaucoup plus réfléchi qu'un simple graffito sur une plaque. Ici, je vous ai mis deux exemples de plaques en métal qui se trouvent dans la péninsule ibérique. D'une part, ce qui est le plus courant, des inscriptions sur plomb, c'est ici. Et la très spectaculaire et très célèbre bronze de Brotorita, qui est une plaque donc, qui est en écriture celtibère, mais je vous l'ai mis quand même parce qu'elle est assez spectaculaire, et qu'elle est aussi représentative d'une pratique graphique très influencée par les pratiques latines au moment de la conquête latine de la péninsule ibérique. Des inscriptions donc sur pierre. Des inscriptions assez rares sur mosaïque. Je vous ai mis ici une inscription qui vient de la Caridad de Camin Real, qui se trouve dans la vallée de l'Ebre, vers les zones celtibères, avec l'inscription est ici, qui est vraisemblablement une marque de fabricant, de la personne qui a réalisé donc le pavement d'une très grande pièce dans une maison, la maison de Liquiné, puisqu'il y a le nom de l'individu au début. C'est très rare, ces mosaïques, il n'y en a que deux. Voilà. Et un certain nombre aussi de graffitis rupestres,
Donc il y a une pratique beaucoup plus complexe, beaucoup plus localisée. Ici, c'est un site en Cerdagne. La Cerdagne, c'est au centre des Pyrénées. C'est une zone très particulière où ces graffitis sont concentrés sur, autour donc du site d'Oceja. Là encore, c'est une pratique difficile à comprendre. Et il y a un ouvrage de Père Campmajo qui travaille exclusivement sur la Cerdagne depuis une trentaine d'années, qui lui s'est occupé justement de des groupes résiduels qui se seraient exilés dans les Pyrénées pour continuer une pratique graphique. C'est assez spécifique. La plupart du temps, les inscriptions paléo-hispaniques se retrouvent sur de la céramique. Ça, c'est un graphique qui vient de ma thèse. Ça représente un corpus situé entre la vallée de l'Èbre et le sud de la Gaule et qui couvre en fait plusieurs zones épigraphiques. Mais ça donne une idée en fait de la représentation de l'épigraphie paléo-hispanique. En gros, on peut regrouper les pratiques graphiques en trois grands domaines. Donc, le domaine économique, hein, c'est ça que j'ai mis en fait en ligne hein, sur le site de Mnamon pour essayer de simplifier au maximum la présentation. Donc, un domaine économique qui rassemble un certain nombre de pratiques, un domaine privé qui se trouve être finalement la plus grosse partie en fait de l'épigraphie ibérique, puisque l'épigraphie ibérique est exclusivement, enfin en très grande partie une épigraphie privée, un domaine politique qui ne concerne pas exactement les Ibères, puisque les testeurs d'hospitalité n'existent que dans le domaine celtibère, et donc ce fameux domaine sacré hein, qui est lié à des vases assez magnifiques et un peu hors du commun du site de Lyria, par exemple, ou encore des pratiques isolées, comme cette mosaïque dont je vous parlais tout à l'heure, le gros du contingent de l'épigraphie étant ce genre d'inscription qui, vous le voyez, c'est un peu vilain quand même, c'est pas très élaboré, c'est en général écrit à la pointe sèche sur un vase, sur une céramique extrêmement banale, la plupart du temps importée, mais bon, c'est pas de la grande écriture, c'est pas très élaboré, et on sent une pratique finalement extrêmement courante, commune. Voilà, d'autres inscriptions beaucoup plus spectaculaires, comme cette inscription de Lyria. Ou des offrandes, comme ici le riton d'Ouliastret. Donc c'est un objet très particulier qui se trouve donc sur le site d'Ouliastret, qui, en fait, l'inscription, on ne voit pas très très bien, mais elle est inscrite sur le corps de l'animal. C'est un taureau, a priori. Et c'est un unicum, on n'a pas d'autres inscriptions comme ça, qui date du 4e siècle avant notre ère, donc quelque chose d'extrêmement extrêmement ancien. Encore une fois, on ne sait pas ce qui est écrit. Hein, donc, voilà. Donc, cette épigraphie exclusivement privée avec, vous le voyez, beaucoup d'inscriptions sur de la céramique campanienne, dans une moindre mesure sur de la céramique ibérique, et finalement, dans une très faible mesure, sur de la céramique de stockage, donc une pratique finalement de gestion, en tout cas des marques de propriété. Tous ces tableaux en fait ont été faits à partir des travaux que j'ai faits dans ma thèse, donc ils sont spécifiques au nord-est de la péninsule ibérique et de la zone levantine. Voilà, donc énormément de marques de propriété et surtout énormément d'inscriptions indéterminées, vu qu'on n'a aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Les marques de propriété, ça marche avec ce qu'on peut connaître de l'onomastique ibérique, qui sont les seuls éléments dont on ait une véritable connaissance. Voilà, je suis partie dans autre chose là. Voilà. Voilà. Oui, sur l'onomastique, en fait, c'est ce sur quoi j'ai travaillé donc dans ma thèse, en fait, puisque c'est le seul élément tangible sur lequel on pouvait avoir une connaissance. Le travail que j'ai mené moi dans ma thèse visait à vérifier quels étaient les noms connus à Anserune, les noms connus à Assaïla
et les noms connus à Ulia Strette, voir si ces noms étaient identiques, voir également dans quelle mesure il y avait des contacts entre les populations locales ou substratiques de ces sites, et voir dans quelle mesure les contacts entre les Ibères et les Gaulois dans le nord et les Ibères et les Celtibères dans le sud étaient identiques ou pas. Ce qui aurait montré une fonction commune des populations ibériques dans le nord et dans le sud de la zone étudiée. Et d'autre part, j'ai essayé de voir s'il était possible de déterminer des différences au niveau même de la langue, c'est-à-dire de l'insertion des noms propres dans les inscriptions, pour voir si on pouvait déterminer, par exemple, des différents dialectes, des façons différentes de nommer ou d'inscrire les noms sur les objets. Non, ça n'a pas marché. C'est très compliqué et les inscriptions sont en fait très lacunaires. De ce fait, on peut difficilement élaborer élaborer un discours dessus sans être véritablement dans l'erreur. Sur quoi on travaille à l'heure actuelle? Je vous ai mis ici les quatre, en fait il y en a cinq, mais les quatre éléments de corpus sur lesquels nous travaillons, les paléo-hispanistes. C'est les Monumenta Linguarum Hispanicarum, qui ont été préparés pendant donc quasiment 30 ans, un peu plus maintenant, par Jürgen Untermann, qui n'est pas étranger non plus à la péninsule italique, et qui est donc un chercheur allemand que vous connaissez, qui a donc répertorié depuis 1970-75 toutes les inscriptions paléo-hispaniques. Et il y a donc un cinquième volume, oui, qui a été préparé avec lui et une chercheuse allemande qui s'appelle Dagmar Wodko, qui est en fait un lexique et un dictionnaire de la langue celtibère. Je ne l'ai pas mis puisque ça ne concernait pas exactement la même chose. Ce corpus qui est assez conséquent et qui est entièrement en allemand, puisque M. Untermann a travaillé à Cologne, et là c'est imprimé à Wiesbaden. Ce corpus est à l'heure actuelle en cours de mise à jour par les équipes donc de la Complutense, de Barcelone, de Saragosse, de Vitoria, qui est un espèce de gros consortium de paléo-hispaniques qui travaille à faire une énorme base de données qui n'est toujours pas en ligne, mais bon, qui va l'être, donc vise justement à intégrer progressivement toutes les inscriptions, les nouveautés. Inscriptions qui sont à la fois photographiées, dessinées, avec un élément de bibliographie. Donc tout ça est très complet, mais ce n'est pas encore accessible. C'est aussi un travail d'identification, de retrouver des inscriptions dans des collections, dans un ancien dépôt. Par exemple, moi, pour ma thèse, j'ai essayé de mettre en place une base de données un peu identique en me centrant sur le site de Anserun, sur lequel je travaille encore à l'heure actuelle. Et le plus gros travail consiste à mettre les inscriptions dans leur contexte archéologique qui permettrait d'établir une chronologie. La reprise attentive de toute cette documentation a donné lieu à une interrogation justement sur les signes dont je vous parlais tout à l'heure, sur l'équivalence en fait de chaque signe à une équivalence. Et on s'est rendu compte en fait qu'il était fort probable qu'il y ait en fait une notation un peu particulière entre les signes de sourde et de sonore. Jusqu'à présent, en fait, on pensait qu'il n'y avait pas de différence en fait entre les sourdes et les sonores en Ibère. En étudiant donc la tessère d'hospitalité que vous voyez ici, le chercheur Carlos Jordán Colera, qui est spécialiste du celtibère, s'est rendu compte qu'elle était extrêmement proche d'une autre tessère d'hospitalité écrite elle en latin, et que la concordance entre les deux montrait une seule alternance entre beau et tar ici. Qui se jouait en fait à une seule trait diacritique. À partir de cette équivalence, il a essayé de voir si ça marchait sur d'autres inscriptions. Et une des dernières
hypothèses très convaincantes des chercheurs paléohispanistes et d'établir en fait l'existence d'un système duel de notation, donc qui dépend de ces signes diacritiques ajoutés ou non entre les différents signes et qui permettrait comme ça de noter ou pas les sourdes et les sonores. Alors ça marche très bien pour le celtibère, ça marche plutôt pas mal pour l'ibère. Ils sont en train de voir si ça marche aussi pour l'ibère dans le monde méridional. Ça pourrait marcher. Le seul élément très troublant, c'est que c'est deux choses. La première, c'est que les signes avec ce système duel viendraient du nord vers le sud, de diffusion de nord vers le sud, 4e siècle vers le 2e, vers le sud, comme ça. Or, l'hypothèse de Deos, qui travaille sur le Liber depuis très longtemps, serait une diffusion de l'écriture paléo-hispanique levantine du sud vers le nord. Donc là, il y a une espèce de conflit où, en fait, les signes les plus complexes seraient plus anciens et les signes les plus simples seraient les plus récents, sachant qu'à l'époque de la conquête romaine, le système le plus fréquent est le système le plus simple, c'est-à-dire sans les signes diacritiques. Donc, tout ça sont des hypothèses et des dossiers qui sont en cours. Dans mon travail personnel de thèse, j'ai cherché pour ma part à y voir plus clair et à simplifier au maximum les choses en essayant de remettre en fait chaque inscription dans son contexte archéologique de façon à pouvoir véritablement disposer d'une chronologie fine des inscriptions et une feuilletée de tous les noms disponibles sur un site pour voir la chronologie des inscriptions. À l'heure actuelle, mon travail que je cherche à mener là dans les mois qui viennent serait de voir les différents croisements des noms d'une langue dans un système graphique donné. Pourquoi est-ce que je fais ça ? Parce que l'ibère étant toujours une langue qui résiste, voir comment s'adapte un nom à cette graphie, comment un nom par exemple un nom connu en latin est inséré dans une écriture, permet à la fois de voir comment les Ibères entendaient ce nom reçu et comment, à l'inverse, les Ibères arrivaient à transcrire, à translittérer en fait ces noms. Donc ça nous donne des informations extrêmement précieuses sur ces adaptations, sur les rencontres entre les personnes, entre les populations, et également sur le système phonétique, graphique et linguistique en général de ces noms. C'est sur quoi je suis en train de travailler, donc c'est un peu en cours. Voilà. Les Espagnols, de leur côté, eux, là c'est un peu la crise en Espagne, donc c'est un peu compliqué au niveau des financements des sites, au niveau des financements des fouilles, etc. Mais ils font un énorme travail de mise en valeur de leur patrimoine, un énorme travail de vulgarisation, d'accès au public, de connaissance des inscriptions, avec, donc je vous ai mis 4 sites donc, qui sont aussi en ligne sur le site de Mnamon, 4 éléments qui sont extrêmement, donc à la fois... très joli, c'est très coloré et c'est très très bien fait parce que ce sont des chercheurs extrêmement bien formés qui font des activités pour les enfants, etc. C'est vraiment très très bien. Bon, là ils ont pas trop de sous, donc c'est un peu en berne, mais bon. C'est très important aussi parce que ça permet de générer ça, des financements pour des fouilles. Et comme vous l'avez vu, les données étant tellement fragmentaires, chaque inscription, chaque nouvelle donnée peut renverser entièrement le processus, la connaissance et les différentes mises à jour, nouveautés sont présentes dans ces soit dans les comptes rendus des actes de colloque des paléo-hispaniques. Ici, vous avez donc un acte de colloque un peu spécial qui était pour Javier de Hoz. Et cette revue qui est téléchargeable en ligne, qui est très très bien, mais qui est quasiment que en espagnol, qui est la base des recherches en paléo-hispanique. Je vous mentionne, je suis désolée, les images sont un peu floues, également cette somme énorme qu'est en train d'écrire Javier de Hoz, qui fait en fait un bilan complet, une synthèse générale de l'histoire linguistique de la péninsule ibérique.
extrêmement riche. Ce sont des volumes qui font 900 pages à chaque fois. En espagnol, c'est très, très dense. Il a écrit les deux premiers. Il est en train de préparer les deux suivants sur les Celtes et donc les marges du monde ibérique. Celle qui nous concerne le plus à l'heure actuelle, c'est le volume 2. Extrêmement complet, qui rassemble en fait la connaissance de Javier de Reus sur 50 ans de carrière. C'est formidable. Voilà. Je vous disais donc un certain nombre de données qui sont à chaque fois nouvelles et chaque année de fouille apporte donc des nouveautés. Je vous en livre deux qui renversent encore une fois complètement les données de la péninsule ibérique, ce qui veut dire qu'il faut rester toujours extrêmement ouvert, extrêmement disponible au possible. Ici, c'est l'inscription de Daronches, qui est une inscription en écriture latine. Vous pouvez très bien lire cette inscription. Et en langue lusitanienne, enfin, en tout cas avec des éléments de langue lusitanienne, on a de la théonymie en fait, indigène. Ça, c'est pour la Lusitanie. Et cette inscription de la Joncosa, c'est en Catalogne. Quelque chose de totalement inédit aussi, une céramique entièrement gravée avant cuisson, avec plus de 350 signes. Ça ne ressemble à rien d'autre de ce qu'on connaît. C'est extrêmement détaillé. Voilà, donc là, les chercheurs sont dessus, c'est encore une fois nouveau, ça re-questionne encore une fois les pratiques graphiques, et à chacune de ces découvertes, on a trouvé un plomb, là, écrit en celtibère, mais qui aurait dû être en ibère, enfin bref, chacune de ces inscriptions nous demande, voilà, à nouveau de remettre le travail sur le métier, et de se remettre à comprendre, à essayer de saisir quelles étaient les pratiques des Ibères. J'en viens à ma conclusion. J'espère vous avoir montré que la péninsule ibérique à la proto-histoire récente est un monde complexe, dont l'étude permet de toucher à plusieurs problématiques essentielles de l'épigraphie, la linguistique, l'archéologie, l'étude des supports. La variété des pratiques graphiques que j'espère avoir mis en lumière et la variété des influences montrent le rôle majeur, à mon sens, que tient la péninsule ibérique dans l'économie des échanges du bassin méditerranéen occidental. Les études paléo-hispaniques sont un champ d'études immense et des études neuves. Il s'agit de se frotter à des langues complexes, toujours pas très bien déchiffrées. Travailler sur ces langues fragmentaires, c'est se confronter à chaque fois à un phénomène d'altérité, à une étrangeté, à savoir composer avec l'inconnu. C'est à la fois enthousiasmant et un peu frustrant quand même. Et voilà, la présentation que j'ai essayé de faire pour Mnamon et dont tous les éléments dont j'ai parlé, vous les retrouverez sur le site. J'ai essayé du mieux possible que ce soit clair et le plus possible attractif. Je ne sais pas en tout cas si ça aura marché, mais pour moi, ça a été un très grand plaisir de préparer ce travail et de le préparer devant vous. Et je vous remercie vivement pour votre attention. Alors, l'ensemble des inscriptions, oui, qui change à chaque fois, bien sûr, mais l'ensemble des inscriptions paléo-hispaniques s'élève à 1700-1800 inscriptions. Ce qui n'est pas négligeable, c'est le deuxième corpus en matière de nombre d'inscriptions du bassin méditerranéen occidental après l'étrusque. Donc c'est quand même assez conséquent, sachant que la plupart des inscriptions sont extrêmement brèves, et que là où il y a le plus d'inscriptions, c'est effectivement sur le littoral méditerranéen. Voilà. Par exemple, il y a deux sites qui concentrent énormément d'inscriptions. C'est le site d'Anserune, qui compte quasiment 400 inscriptions à lui tout seul, et le site d'Asaïla, de même, je crois, 411 inscriptions. Donc, effectivement, des pôles comme ça extrêmement importants. Et après, des sites où il y a à peine une, deux inscriptions, c'est très variable. Mais dans l'ensemble, ce sont 1700 et 2000 inscriptions. Et l'autre question, c'est pas pour le plan.
Non, de noms ibères dans des inscriptions... c'est la seule. Tout à fait. Qui est très spécifique, encore une fois, ce plomb de Peshmao, incroyable. Ce phénomène, on a quelques noms ibères dans des inscriptions latines, assez rares. On a sur le plomb d'Ampurias, qui est un peu similaire au plomb de Peshmao, on suppose, donc, il y a un nom celtique sur le plomb d'Ampurias, qui est à la place de Héronoios du plomb de Peshmao, on a Catulatienne. Bon, mais des noms, voilà, justement, c'est un des problèmes, c'est que ces noms ibères ne se retrouvent quasiment jamais dans des inscriptions grecques. C'est à croire que finalement, enfin à part Peshmao, hein, c'est à croire que finalement, les inscriptions ibères sont cantonnées à des échanges inter-indigènes et qu'il n'y a pas d'interaction avec le monde grec, comme s'il y avait une scission assez stricte entre les échanges grecs et les échanges ibères. Il y a quelques noms assez rares de grecs dans les inscriptions ibères. Enfin, plus exactement, il y en a surtout sur le bronze de Botorita, qui est lui-même déjà un problème en soi. Hein. Mais il y a quelques noms, Thiokénès et un autre, je crois, qui sont dans ce bronze, de Botorita. Mais c'est vrai qu'il y a plus souvent des individus latins et grecs dans les inscriptions ibères que l'inverse. Et c'est très... Voilà. Oui, tout à fait. Et même dans les autres plombs, parce qu'à Peshmao, il y a le plomb de Peshmao, et puis il y en a quelques autres qui sont en ibère, et dans lequel, par exemple, on aurait pu penser qu'il y ait justement des noms grecs, des noms latins, etc. Il y a rien. Ici, il y a un quintus dans un des autres plombs de Peshmao, mais il n'y a pas de grec. C'est très étonnant. La présence des noms celtiques, disons, de Peshmao ou ailleurs, ça peut expliquer par le biais de la bataille. Sont déjà dénoncés de la région, où ça pourrait faire penser que le nom, c'est probablement une autre provenance, toujours dans la région des Europe, par exemple. Voilà. Alors, ce que je pense, moi, mais bon, encore une fois, c'est tout ça n'est qu'hypothèse, bien sûr, ce sont, en fait, à mon avis, les traces d'échanges inter-indigènes extrêmement étroits. Ou, à mon sens, et c'est aussi l'hypothèse de Javier Deos, c'est aussi l'hypothèse de Michel Batz, qui travaille sur la Gaule méridionale, où les Ibères seraient détenteurs de l'écriture et seraient en fait des intermédiaires, c'est ce qui se passe effectivement à Peshmao, en quelque sorte, entre les arrivants grecs, bon, on va dire grecs, et les populations de l'intérieur des terres, plutôt celtiques, donc, en Peshmao, en l'occurrence, on sait, voilà, mais en Sérune, c'est le cas exactement, voilà. Et en fait, les Ibères seraient ces fameux intermédiaires qui permettraient de faire la gestion des biens arrivant des Grecs, faisant une plateforme, en fait, où la gestion de ces biens serait faite par des populations qui seraient détentrices de l'écriture, paléo-hispanique, donc. Et à Peshmao, c'est bien ce qui se passe, puisque le contrat qui a lieu sur le fleuve, en fait, entre les fameux bateaux qui vont chercher, les Ibères sont témoins de cette transaction, et ils sont consignés, donc, dans le fameux plomb, pour faire cette bascule entre le moment où les biens appartiennent sur le gros bateau, on va dire, grec. Après, il y a les petits bateaux qui vont chercher les éléments sur le là. Et donc, voilà, ça correspondrait effectivement à ce genre de choses. Et à mon sens, les Ibères seraient justement des intermédiaires comme ça, qui permettraient de redistribuer à l'intérieur des terres les différents biens qui seraient arrivés comme ça. C'est une hypothèse, encore une fois. Il y a du travail. Non, voilà. Tout à fait, tout à fait. Exactement, exactement. Tout à fait. Merci beaucoup en tout cas.
Se non ci sono altre domande, avete